Juin 87. Les enfants de la danse vivent leur dernière classe à l'opéra. 8 heures. Rendez-vous dans la cour. Il y a ceux qui se sont levés à 6 heures pour prendre le train ou le métro. Ceux qui ont la chance d'être accompagnés par leurs parents. Les très rares qui habitent à côté. Enfin, nos provinciaux qui habitent nos deux foyers situés à 10 minutes de l'opéra. Les escaliers déversent le flot d'élèves dans les vestiaires et les classes situées sous les toits. Un vestiaire pour les garçons, récupéré sur un palier. Deux pour les filles, qui sont plus nombreuses. Début des cours de danse. Studios qui ont vu des générations et des générations de danseurs. 9h45, arrivée des stagiaires. Pendant 3 mois, ils vont travailler tous les jours en vue de l'examen qui sanctionnera leur entrée dans l'école. À 11h45, les studios doivent être impérativement libérés par l'école afin de laisser la place au corps de ballet. 17h15, retour à l'opéra. Études, cours de danse ou répétition jusqu'à 18h45. 19h, dîner des pensionnaires à la cantine. 19h30, les enfants libèrent la place pour le personnel de l'opéra et rentrent à pied au foyer. Et puis, c'est pour demain. Allez, bonne nuit. À demain.